tout le monde, bonjour les amis, bonjour les abonnés, les anciens, les nouveaux et les nouveaux membres que je remercie de me faire confiance et de soutenir la chaîne. Donc merci beaucoup. Sachez que cette chaîne a pour vocation eh bien, d'aider les animaux en souffrance, hein, puisqu'il y a beaucoup de maltraitance animale, comme vous le savez. Donc bah, je reverse les revenus. Hein, bon, vous le savez déjà depuis longtemps, ceux qui me suivent. Sauf que je n'en fais plus publicité parce que j'ai été critiquée à ce sujet. Alors, on est critiqué quand on donne et on est critiqué quand on donne pas. Ainsi va le monde. Donc, je ne poste plus les dons que je fais. Mais si vous voulez que je fasse, je reposterai. Enfin, bon, peu importe. Hein. J'ai été très étonnée d'avoir certains commentaires vraiment désagréables par rapport à la musique de mon générique. Je conçois parfaitement que certaines personnes ne partagent pas mes goûts musicaux. C'est normal parce que Dieu nous a fait ainsi. Si on avait tous les mêmes goûts, ce serait vraiment très très triste. Donc c'est normal que je n'ai pas les mêmes goûts que vous. Par contre, soyez tolérants, faites preuve de gentillesse, de bienveillance. Et puis, eh ben, écoutez, au bout de 36 secondes, vous pouvez arriver au tirage, proprement dit, si vous voulez. Je n'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, à partir de maintenant, je vais mettre à partir de quand commence le tirage. Comme ça, vous pourrez y aller directement. Par contre, je suis très peinée, vraiment, c'est le mot, d'avoir des commentaires aussi méchants. Voilà, c'est de la méchanceté gratuite. Ce n'est pas nécessaire. Mais je me souviens qu'à une époque, je suivais une voyante qui avait un générique, ma foi, un peu en fanfare. Je ne me suis jamais permise de la critiquer à ce sujet. Je laissais passer, j'avançais un petit peu, et puis voilà quoi. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut sur sa chaîne. Et sachez que ce générique m'a demandé beaucoup de travail. J'ai choisi vraiment avec soin les images que je vous ai mises, puisque je pense qu'on va vers des temps vraiment de changement, de bouleversement, et notamment les thèmes que j'ai choisis dans les images seront très certainement d'actualité. Donc vous voyez qu'il y a du travail derrière. Et franchement, en ce temps de carême, je crois qu'il est de devoir de chacun de faire des bonnes choses pour autrui. Moi, je fais mon carême, je mets de côté certaines choses que j'aime bien, voilà, si vous voulez tout savoir. C'est un petit peu mon sacrifice. J'essaie aussi de pardonner à mon prochain, de m'améliorer. Eh bien, je vous conseille vraiment, chères personnes qui ont mis vraiment des commentaires méchants et désagréables, je vous conseille de faire de même. Voilà. Parce qu'il n'y a aucune raison. Notamment, je donne de mon temps dans les lives. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de respect, aucun vraiment respect pour le fait que je donne de mon temps et de mon énergie pour répondre aux questions. Je ne sais pas combien j'en traite, peut-être 20, peut-être 30, je ne sais pas. Mais évidemment que quand vous êtes 100, je ne peux pas répondre à tout le monde. Et évidemment, il y a des râleurs. Mais est-ce que vous comprenez ce que c'est que de faire de la voyance, quoi? Je ne peux pas faire 100 tirages en 2 heures. Je ne suis pas une machine. Donc, soit vous êtes membre et de toute façon, vous avez un passe-droit. Ou soit vous êtes patient. Ou soit vous essayez une autre fois. Mais franchement, s'il vous plaît, un peu de tolérance et de gentillesse. Franchement, je suis très choquée en ce moment. Ouais, je sais. Bon. Voilà. Donc, petit coup de gueule, toujours dans le respect d'autrui, mais je vous en supplie, faites preuve de tolérance et de gentillesse. Le monde en a besoin. Bon, ok. Donc, il y a certaines vidéos dont les commentaires m'ont aussi énervée. Donc, il y en a certaines que j'ai mis directement pour les membres. Voilà. Et puis, c'est tout. Comme ça, bah, les choses sont dites. Bon. Alors, on va parler de von der Leyen aujourd'hui. Ah, il faut que je fasse attention à ce que je dise. Pardon, pardon. Alors, de la layette, n'est-ce pas? Ou de la hyène, comme on l'appelle. Voilà, je vous montre. Hein. Elle officialise sa candidature à un second mandat à la tête de la Commission européenne. Voilà. Alors, je n'ai pas très bien compris comment est-ce qu'ils vont choisir la personne qui va être à la tête de la, on va dire, la CE. Ce n'est pas très clair, en fait. Bon, il y a des élections. Donc, apparemment, ils vont prendre la personne dont le parti a gagné les élections, donc a fait le plus de voix. Hein. Donc, elle représente le Parti populaire européen, si j'ai bien compris, le PPE. Apparemment, elle devrait gagner. Bon, d'accord. Et donc, on part du principe que comme elle va gagner, donc que ce parti va arriver en tête, elle serait automatiquement reconduite dans son mandat. J'ai pas bien compris, là. Franchement, c'est pas clair du tout, leur histoire. Donc, on va faire simple. On va demander simplement si elle va de nouveau être conduite dans son mandat. Donc, c'est 5 ans, il me semble.
Voilà. Donc la Ursula, la hyène, va-t-elle de nouveau être reconduite dans son mandat? Ah bon, par contre, j'ai quand même un avantage. Ouais, elle a un avantage. Bon, je sais que les 27 États membres, normalement, ont leur mot à dire. Ils doivent proposer un candidat ou une candidate. Mais encore une fois, si j'ai bien compris, celui ou celle qui est candidat doit être normalement celle ou celui dont le parti a gagné les élections. Enfin, je vous dis, c'est un truc de, un peu bizarre. Et Caligula a d'office soutenu la candidature de cette dame. Bon. Alors, on va regarder. Est-ce qu'elle va gagner? Alors, j'ai la contrariété et un accident. Alors, je sais, pas si c'est pour elle ou si c'est pour nous. Je vais me concentrer sur elle. Donc, Ursula va-t-elle être conduite? Parce que si c'est ça, on est mal quand même. Hein, ouais. Va-t-elle être conduite dans ses fonctions de présidente de la CE? Alors, il y a les cartes qui sont à l'envers. Je le vois déjà. On va les remettre à l'endroit. Voilà. Va-t-elle être conduite dans ses fonctions? Bon, on va faire que 6 cartes. Hein. Est-ce que ça fait son prénom, d'ailleurs? Bah oui, tiens, pas fait exprès. Ouais, bon, enfin, bon, on va peut-être pas le dire. Alors, on va être discret. Bon, il y a une séparation, quand même. Hein. Personne toxique. Isolation, réflexion, élévation. Alors, où est-ce qu'elle est, elle? Elle n'est point là. Abandon, discorde, clash et rupture. Bon, déjà, à mon avis, si elle est reconduite, ça va faire un clash. Je ne la vois pas pour l'instant. Où est-ce qu'elle pourrait être? Où es-tu, Ursula? Ah, il y a quand même le cadeau qui est fait. C'était la carte qui s'était retournée. Hein. Bon, là, pour moi, elle est pressentie, là. Avec des cartes comme ça, effectivement, elle est pressentie. Bon. Et si elle est pressentie, oui, alors elle pourrait être ici. Puisqu'on sait qu'elle est corrompue, pervertie, mauvaise, nocive et tout ce que vous voulez. Ici, alors, il y a quelqu'un qui est en quarantaine. Il y a quelque chose de l'ordre de la quarantaine. Je ne sais pas pourquoi. Je vais regarder pourquoi j'ai séparation discorde. À mon avis, si elle est reconduite dans ses fonctions, ça ne va pas plaire quand même. Hein. Bon, ça, c'est la population, la foule. Oui. Ah, il y a quand même un piège, là. Il y a quand même un piège. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, tiens, il y a un homme. Il y a un homme. Alors, est-ce que c'est un homme qui pourrait être choisi? Non, il y a un blocage. Il y a un blocage sur un homme. Bon, on va refaire un jeu. C'est pas très bon pour l'instant. Je crois que je vais prendre des personnages. Hein. C'est plus facile. J'aurais dû prendre le trône de Dauphis, d'ailleurs. Je vais aller le chercher. S'il se cache toujours, mon 32. Attendez, bougez pas. Moi, je sais pas, j'avais l'impression que ça allait être assez compliqué quand même. Parce que c'est au mois de... C'est au mois de quoi? Ah, ils sont pas très clairs. Je sais pas. Mois de mars, non? Mois de mai? Bah, ils les ont même pas dit. Mais c'est pas possible, ça. Bon, je sais pas. Bon, enfin bref. On va dire que c'est sur l'été. Allez, on y va. Alors, est-ce que Ursula va être reconduite dans ses fonctions de présidente de la CE? Alors. Ouais, bon, d'accord. Est-ce que Ursula va être reconduite? J'ai l'impression que si elle passe, elle ne fera vraiment pas l'unanimité. Hein. Non. J'ai quand même une femme, là. Hein. Ouais. Oh là là, si c'est elle, bon, elle est blonde, blonde, blanche, hein, d'accord. Ben, elle est sortie quand même. Hein. Elle est sortie et elle a dit soutien. Hein. C'est pas possible, on va jamais s'en débarrasser. Hein. Oh, mais... Bon, elle ressort là aussi. Ah, il y a un renouveau quand même. Hein. Oh non. Écoutez, je comprends pas. Il y a quelques mois, j'avais dit qu'elle allait partir et là, les cartes ont changé. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un événement entre-temps qui a fait que les choses ont changé. Bon, il y a un succès pour une femme. As de trèfle, hein. Ouais. Donc, on va demander juste à mon petit nouvel oracle, là, mon petit oracle, l'oracle France Actu. Voilà, je vous montre un peu rapidement. Il est
Il a été fait par Sylvie Lamassé. Voilà. Et vous pouvez le commander sur Etsy. Juste une ou deux cartes, parce qu'il ne faut pas en tirer de trop. J'ai une carte qui s'est retournée, là. Attendez. On va les remettre à l'endroit. Voilà. Alors, est-ce que Ursula va être nommée présidente de la CE? De nouveau. La coupe, que me dit-elle? Il y a des protections. Et, bon, impôts, bon, d'accord. Protection, impôts. Bon, ok. Je ne sais pas pourquoi j'ai impôts. En tout cas, j'ai protection. Alors, une ou deux. Est-ce que Ursula va être nommée présidente de la CE? J'ai dirigeants mondiaux. J'ai élections. C'est fou. Élections, dirigeants mondiaux. Bon, j'ai le 6-6 ici. Beaucoup d'humour, Sylvie. Alors là, ça veut dire que oui, effectivement, elle est soutenue par ces gens-là. Je pense que ces dirigeants mondiaux, là, vous en avez les visages, là, sur la droite. Vous pouvez reconnaître, par exemple, Bill. Il y a Chouabi, il y a Georges. Bon, il y en a d'autres qui se cachent derrière. Ce sont les plus connus. Je pense que ces gens-là, effectivement, pourraient influencer les élections européennes. Là, je parle des élections européennes, hein, parce que c'est sorti élections. Et Ursula, là-dedans, j'ai de l'argent. Intérêt économique, argent. Bon, il y a des histoires encore de corruption, hein. J'ai menace. Attendez, c'est quoi ça? Ouais, menace. Alors là, c'est intéressant parce que je me demande, au vu du jeu, si pour appuyer la candidature de Madame la Layette, il n'y aurait pas des menaces sur, par exemple, les gens qui seraient impliqués dans ces élections et en même temps des histoires d'argent. Ouais, on a affaire à forte partie. Hein. Je vous remontre les cartes. Voilà. Vous avez dirigeants mondiaux, élections, menaces et argent. Et elle, là-dedans, elle est où? Oh non. Ouais, bah, je suis désolée. Hein. J'ai sorti la Commission européenne, moi. Ouais, et ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. C'est sorti. Hein. Je l'ai fait devant vous. Hein. Commission européenne. Ouais. Ursula. Bon, après, j'ai les armes de destruction. Donc, vous voyez qu'en fait, ça va être une période très houleuse, avec un H. Oui. Ça va être une période très houleuse. Mais là, le jeu me dit qu'elle a des appuis. Elle a des appuis. Bon, après, vous voyez, il est reparti sur autre chose. Il est parti sur les dom-toms. Bon. Donc là, c'est tout ce qu'il avait à me dire sur le sujet. Elle a des appuis très puissants, hein. Dirigeants mondiaux. Ça, c'est Smith dans le Matrix. Donc, c'est une menace cachée. Ouais, l'argent. Bon, ok. On va demander à mon tarot ce qu'il en pense, mais c'est mal parti, hein. Vous voyez, la donne, elle a changé, hein. Moi, c'est pas ce que j'avais il y a quelques mois encore, hein. Il y a eu autre chose entre-temps. Il y a quelque chose qui est intervenu et qui fait que elle pourrait de nouveau avoir la place. Alors que je voyais un changement, je voyais un homme. Ben, apparemment, non. Alors, qui va être président de la commission? Vous voyez, là, c'est marrant, ça ressort. J'ai un homme qui ressort. Bon. Tiens, un homme qui est important, qui apparemment a peut-être une influence par rapport à cette élection. Est-ce que Ursula. Ah, écoutez, je sors une femme. Hein. Ouais. Je sors une femme. Une femme qui a une famille. Bon, elle a je ne sais pas combien d'enfants. Ouais, il y a bien des histoires. Regardez, on redistribue de l'argent. Il y a des histoires de corruption. Hein. Il y a des histoires. On te donne tant d'argent et tu appuies la candidature de madame. Je pense qu'il y a de ça. Voilà. De l'argent caché, des choses cachées. Ouais, pour l'instant, c'est satisfaction. Hein. Donc, oui, Ursula risque de passer, effectivement. Bon, je suis désolée. Pourtant, il y avait un homme dans la course, mais je crois qu'il n'aura pas gain de cause. Non. Bon, moi, je me dis que oui, ça pourrait être. Pour l'instant, oui, elle est partie en tant
que gagnante, malheureusement, mais du fait d'influences cachées, de menaces, d'argent, voilà, il y a tout ça. Hein. On va jamais en être débarrassé, hein, parce que là, elle, c'est vraiment la catastrophe, hein, la catastrophe. D'ailleurs, tiens, on peut demander au jeu, qu'est-ce qu'il peut nous dire ce madame? C'est pas possible. Hein. Cette corruption, ça n'arrêtera jamais. Alors, la pomme a été croquée. Ben voilà, ça c'est elle, vous voyez. Ça c'est elle. Une femme démoniaque. Bon. La pomme a été croquée, l'erreur a été faite. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur Ursula? Bon, ben voilà, ça c'est la commission. Hein. Vous voyez? Ça c'est la commission E. Le diable, bon, on s'amuse bien là-bas, hein. C'est un peu comme le Sénat numéro 2, on va pas revenir là-dessus, sur le scandale, hein, qui était sorti d'ailleurs dans le tirage de février. Vous voyez, en fait, c'est des gens qui n'ont aucun sens des responsabilités, qui boivent à la coupe que leur verse le diable, donc ils s'enivrent, donc ils s'enivrent, donc ils n'ont pas de conscience, qui s'amusent, qui font la fête, bon, c'est ça en fait, ok. Alors là, il y a le toxin, il y a une mauvaise nouvelle. Ouais, ben, vous voyez, je vous dis, hein, c'est une femme que je sors. Alors, brune, blonde. Bon, elle est blonde, mais enfin, bon, c'est une femme, hein. C'est une femme. Ouais. C'est une femme qui va encore vouloir nous faire peur avec les histoires de guerre. Hein. Bon, on la retrouve, hein. On la retrouve bien. Et vous voyez qu'en plus, ça, c'est une mauvaise carte. Hein. Elle le soutient tout ce qui détruit l'environnement, vous voyez? Tout ce qui détruit la vie. Voilà. Elle envoie le bûcheron couper les jeunes pousses. C'est horrible. Cette femme est absolument horrible. C'est le mal incarné. Hein. Ouais. Donc, va falloir protéger vraiment tout ce qui peut être protégé parce que parce qu'elle est vraiment mauvaise et elle est manipulatrice, quoi. Bon, les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. Voilà. Il y a des questions d'environnement très, très, très fortes ici. Hein. Elle va mettre l'accent sur l'environnement. Bon, alors, on va partir du principe qu'elle est élue. D'accord? Donc là, on va faire un petit peu le jeu « et si ». Et si la hyène était réélue, enfin, réélue ou choisie, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas clair, cette histoire. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'elle ferait. Hein. Donc, je vais prendre pour ça l'oracle Lifestyle, et puis on va reprendre l'oracle France Actu. Qui est vraiment très sympa que je vous recommande. Hein. Sylvie a fait aussi l'oracle du travail que j'avais sorti en live, le dernier live, que pour les questions privées, et qui était vraiment très très bien sorti. Voilà. Donc on va prendre les deux et puis on va regarder. Donc si et si et si la hyène était élue, qu'est-ce qu'elle ferait? D'accord? Voilà. On va déjà commencer avec cet oracle là. Alors, elle mettra en place des changements, voilà, working girl, bon, si vous parlez anglais ou pas d'ailleurs, vous avez la traduction en dessous, un hein, patron auto-entrepreneur. Donc oui, si elle était effectivement le patron, hein, on va dire, eh bien, elle mettra en place des changements et on va regarder lesquels. Donc, si la hyène était réélue, qu'est-ce qu'elle ferait? Alors, j'ai bien l'été qui sort. Bon, écoutez, je suis désolée, mais moi, le jeu, il sort bien. Hein. Vous pouvez rigoler un petit peu aussi. Il faut prendre les choses avec humour, ce que je vous dis. Vous avez insensibilité, psychopathe, sadique, acte irréfléchi, insolent. Bon, ben, ça, c'est elle. Hein. Ça lui va très bien. Et mal préparé. Bon, alors là, ça voudrait dire qu'elle ferait n'importe quoi. Bon, ça, de toute façon, on s'en doute un petit peu. Donc, elle ferait quelque chose. En plus, vous avez aussi... acte irréfléchi, vous voyez. Donc, ça veut dire que c'est une femme qui est stupide, en fait. Elle est méchante, mais elle est stupide. Donc, qu'est-ce qu'elle ferait? Alors, éclairage. Ouais, vous avez quand même les 3 mois. Hein. Alors, en février, ouais, ça peut tomber dans les dates des élections. Méditer. Se louper, méditer. Donc, là, quelque chose. Elle ne réfléchirait pas
à quelque chose qu'elle mettrait en route. Alors, pourquoi clairvoyance? Ben, je pense que ça veut dire qu'on saura ce qu'il en est, effectivement, au moment de l'été, oui. Éclairage, on aura un éclairage sur la situation, d'accord. Alors, pour l'instant, c'est pas sorti ce qu'elle va faire. C'est peut-être caché, hein, mais on va essayer de voir ce qu'elle voudrait mettre en route. Alors, un déclic. Bon, ben, ça, c'est bien elle, voyez. Consultant, ben, c'est pas moi, hein, puisque je fais le tirage sur elle. Allez, oh, là, 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 là. Non, mais regardez-moi ce que je sors sur elle. Fausseté, hypocrisie, comédie. Non, mais le jeu, il l'adore. Hein. Alors, là, il y a quelque chose qu'elle mettrait en place. Il y a un déclic. Donc, il y a bien... pour moi, ça me donne le sentiment qu'elle... voilà, le déclic, elle débloquerait quelque chose. Mais évidemment, la connaissance, ça ne pourra pas être bon. Donc, qu'est-ce qu'elle mettra en route? Qu'est-ce qu'elle mettra en place? Alors, tiens, on a de nouveau Matrix. Ouais, regardez, le troisième mauvaise carte sur elle. Non, mais incroyable. Bon, qu'est-ce qu'elle mettrait en place? Je vais vous dire un truc, ce sera les questions de santé. Voilà. Donc, le domaine dans lequel, pardon, dans lequel elle serait active, dans lequel elle ferait un déclic, et on avait la pause. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression que c'était en pause et que ce serait un déclic. À moins qu'elle arrête quelque chose, ce sera dans les questions de santé. Et vous avez ici la troisième mauvaise carte la concernant. Je vous les montre quand même. Hein. J'ai sorti cette carte-là avec le psychopathe. Vous avez les questions ici de fausseté, de se masquer, de dissimulation. Et la troisième, c'est voler. Bon, donc il y aurait des choses déloyales concernant la santé. C'est ce que mon jeu me dit. D'accord. Alors, on va regarder ce que ça pourrait être, sachant que, comme je vous l'ai dit 10 000 fois, je vois effectivement un problème au niveau de la santé l'année prochaine. Là, on serait vers l'été. Bon, vous voyez qu'on se rapprocherait, on serait déjà dans, on basculerait dans la deuxième partie de 2024. Oui, ils sont en train de préparer le terrain. Écoutez, bon, faut pas être non plus sorti de Polytechnique pour comprendre qu'ils ont qu'une envie, c'est de nous remettre... un petit coup de Vivi, quoi. Bah, écoutez, franchement, c'est évident. Vous avez l'article 4 qui est passé. c'est clair qu'il y a une intention derrière. Hein. Bon, bah, décidément. Alors, voyez, se venger. Donc, voilà, ils veulent remettre un petit coup de Vivi, comme je vous l'ai dit, se venger. Parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre leur but, hein, qui était de tous nous souper à 100%. Il faudra absolument que je vous fasse une vidéo là-dessus, parce que j'ai trouvé un truc, et il faut que je vous en parle. Enfin bref, donc voilà, il voudrait se venger par rapport aux résistants que nous sommes. Le temps, vous voyez, c'est inscrit dans le temps. Et non, alors un non, on va regarder par rapport à quoi. Alors, soit c'est les gens qui ne veulent pas remplir, eux, pour la soupe, soit il y a autre chose derrière ce non. J'étais en train de parler des résistants, donc ça se trouve, c'est les... Oui, c'est les gens qui ne veulent plus... Ouais, c'est ça. Ah, ben c'est ça. Excusez-moi, je m'interromps moi-même. C'est parce que j'ai les idées qui me viennent. Vous avez, voyez, l'information et le nom. Eh bien ça, j'étais en train de parler de l'article 4. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le nom à l'information. Le nom à la vérité. Donc, le nom aux gens qui donnent des informations. Donc, ça veut dire qu'elle va réaccentuer le côté répression de l'information. C'est-à-dire les gens... qui essaie de dire la vérité. Bon, donc on va être dans le collimateur. Ouais, vous voyez, la justice. Bon, donc on sait à quoi nous attendre. Hein. Je vais prendre le petit oracle dont je vous ai parlé juste avant, si j'avais à remettre la main dessus, comme d'habitude. Mais c'est bien ça, en fait. Hein. La première chose qu'elle va faire, et je crois qu'elle l'avait dit, en fait, hein, c'est le disinformation. Voilà. En fait, c'est l'inverse, hein, parce qu'ils disent toujours l'inverse de ce qui est. C'est-à-dire, c'est pas la désinformation, c'est la réinformation. Et elle veut empêcher la réinformation. C'est pour ça que vous avez le nom à l'information. Elle veut empêcher que les gens dont je fais partie, parce qu'il y a 3-4 ans, je me souviens très bien, je vous avais dit, ne prenez pas le fameux truc, ne prenez pas, c'est pas bon. Voilà, donc elle veut empêcher les gens comme ça d'informer, de prévenir, d'alerter. Donc, il y aura bien des questions de se venger par rapport aux gens qui ont justement sauvé une partie de la population. Il faut le dire, hein. Il faut le dire. Et elle mettra vraiment un gros coup de maillet. Donc, elle va mettre en route, encore une fois, des lois. Alors,
Il y en a déjà, mais à mon avis, elle va remettre le... Enfin, elle va resserrer encore un petit peu la vis à ce niveau-là. Vous voyez, c'est inscrit dans le temps. Et c'est bien par rapport à des questions de santé. Je vais quand même prendre le jeu. Bon, attendez, j'ai pas remis la main dessus, donc je fais pause pour le retrouver. Voilà, je l'avais rangé. C'est pour ça que je ne le trouve pas, en fait. Il faut pas que je range. Bon, alors, attendez. J'ai pris toutes les cartes, là. Ouais. Donc, on va demander à mon petit oracle... Alors, c'est France Actu, mais enfin, bon, vous pouvez le prendre, évidemment, pour d'autres pays. Hein. Là, je le prends pour ce que va nous faire la hyène. Mais enfin, là, vous avez compris, c'est très, très parlant ici. Très, très parlant. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous mettre en route? Ça va être la santé, vous avez compris. Des informations au niveau de la santé. Qu'est-ce qu'elle va nous mettre en route, la hyène? Si elle est rechoisie. Écoutez, franchement, extraordinaire. Ah, aujourd'hui, je suis en forme. Hein. Ah, je suis en forme, puisque j'ai sorti la santé. La santé et l'armée de destruction. Bon, bah, on est prévenu. Hein. On est prévenu. Hein. Bon, alors. Donc, c'est bien les questions de santé. Et moi, je le voyais dans mon horoscope 2024, hein, pour ceux et celles qui ont eu la gentillesse de payer la petite cotisation, parce que je n'avais marre qu'on me pique mes trucs, hein, donc voilà, comme ça, vous saurez tout. J'en avais vraiment ras le pompon d'être volé, donc voilà, j'ai mis mes vidéos à 2 euros. Bon, maintenant, voilà, quoi. Et dans les vidéos, donc, eh bien, j'avais dit qu'il y aurait des questions de santé cette année. Oui, pour 2024. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire la hyène? Par quoi va-t-elle commencer si elle est rechoisie, renommée? Bon, il y aura des questions de... Alors, éducation nationale, mais c'est aussi éventuellement l'école. Ah, catastrophe naturelle. Bon, d'accord. Et... Ah ouais, carrément. Moi, j'ai les PDO. Hein. Bon, alors, attendez, on va voir ce qu'il veut nous dire, là. À mon avis, il y a peut-être trois choses. Que fera la hyène si elle est renommée? Rechoisi. Des menaces sur l'éducation nationale. Bon, ça, d'accord. Bon, ben, on a déjà le problème avec les gosses, là, qu'on apprend à faire des choses, comment dirais-je, en dessous de la ceinture, quand ils appartiennent de 4 ou 5 ans. Appel solennel aux parents, aux grands-parents. Ne laissez pas faire. Hein. Ne laissez pas faire. Ne laissez pas faire. Et là, je pense qu'elle remettrait une couche, hein, puisque j'ai menace sur l'éducation nationale. D'accord? Bon, première chose. Dans la coupe, on avait la santé. Ici, on a... Ah ben, écoutez, ce... Voilà, quoi. Bon, catastrophe naturelle, armée, hein. Bon, OK. Alors, tsunami, séisme. Donc, c'est peut-être pas les catastrophes naturelles au sens de naturel. Moi, j'ai envie de dire, ce sera des bouleversements avec l'armée. Oui, non, mais elle irait à fond la gomme, là. Bon, et qu'est-ce qu'on a ici? Pauvreté et PEDO. Bon, donc là, on a deux autres thèmes. On va demander au niveau de la santé... C'était sorti dans la coupe, c'est pas ressorti ici, mais vous avez ici, vous voyez, les choses qui s'accentueraient. D'ailleurs, on peut y mettre cette carte-là avec les menaces sur l'éducation nationale, parce que c'est les enfants qui sont concernés, d'accord? OK. Est-ce qu'elle mettrait des choses en route concernant la santé? On va demander. L'espionnage. Bon, donc le fichage. Et c'est marqué, attendez, je vous lis quand même tout ce qui est marqué sur cette carte, qui est très très bien. Hein. Écoute téléphonique. Fichage des individus, vous voyez, le fichage des individus et... Ah, attendez, c'est écrit tout petit. C'est bien, alors c'est bien et c'est pas bien. C'est bien si on a besoin de ne pas voir les mots. Et si on s'attache plutôt à la photo, c'est très bien. Si on a besoin de lire, c'est un peu compliqué. Service secret, voilà, j'ai réussi à déchiffrer. Bon, donc fichage au niveau de la santé. Donc soyons discrets, hein. Vraiment, même vous dans les coms, hein. Satisfaction, ouais, donc ça veut dire qu'il y aurait satisfaction pour elle, hein, parce que là, je suis par rapport à elle. Le travail, oui, alors il y aura certainement des choses aussi par rapport aux gens qui travaillent dans la santé. Donc, on a vu, hein, fichage, espionnage. Eh ben, écoutez, voilà. Voilà, voilà. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi des élections pour ce World Health Organization, vous avez compris. Vous avez le petit sigle ici qui commence par un O, qui finit par un S, qui concerne la santé, qui est mondiale. N'oubliez pas qu'il y a aussi des élections concernant cet organisme-là, à peu près à la même époque. Donc, moi, je vous le dis depuis le début, depuis longtemps, depuis à peu près un an, peut-être moins, je ne sais plus, qu'il y a un vrai danger par rapport à ces gens-là.
association, voilà, donc les gens par rapport à cet organisme, et de l'argent, donc de la corruption, comme d'habitude. Bon, ils vont vraiment nous remettre un petit coup de soupe, hein. Ne prenez jamais ce qu'ils vont vous proposer. Égal ce qui... Ça, c'est allemand, pardon. J'allais dire, peu importe de quoi ils nous menacent. Peu importe. N'acceptez pas. N'acceptez jamais. Bon, alors après, il y a accident, naufrage. Et ça, c'est quoi? Ouais, naufrage du libre-arbitre. Ah ben d'accord. Comme ça, c'est dit. Voyez? Naufrage par rapport au libre-arbitre. Oui, donc ça veut dire qu'ils ne nous laisseront pas le choix. Et là, on a immédiat. Ouais, donc ça, ils vont accélérer, hein, voyez, ils vont accélérer. Popularité, sondage. D'accord. Donc il va y avoir encore des questions de, vous voyez, de cocher. Abondance. Ah ouais, donc ils vont nous mettre un histoire de... C'est ça, en fait. Ils vont nous mettre, comment on appelle ça, un chantage par rapport à l'abondance, je pense. Ouais, c'est ce qu'on a eu déjà il y a 3 ans, hein. Bah oui. Vous n'aviez pas le droit d'avoir accès à certaines choses. Bah, c'est pareil, c'est rebelote. Bon, donc on a compris ce qu'elle va nous faire. Je vous le dis en toute franchise, en toute sincérité. Vous êtes prévenus, on est prévenus. Donc, agissons en conséquence. Préparons... de quoi on peut manquer, hein, donc je dis, moi, c'est des provisions, de l'eau, tout ce que vous voulez, hein. Relions-nous, parce que là, on va rentrer dans le dur, hein. On va rentrer dans le dur. Mais, n'oubliez pas non plus que je pense qu'il y aura des événements internationaux qui vont nous libérer de ce chantage. N'oubliez pas ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pas encore pour vous faire peur. J'en ai marre des gens qui disent « Vous nous faites peur ». Non, mais arrêtez de faire l'autruche, quoi. Regardez ce qui se passe dans le monde. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien. Donc, moi, je vous préviens. Vous prenez en conséquence. Vous vous préparez moralement et psychologiquement à résister. Mais je vous promets que ce chantage sera quand même de courte durée. Voilà. Simplement, il ne faudra pas foncer vers la piquette, parce que c'est de ça dont il s'agit. Eh ben, franchement, eh, voilà. Franchement, aujourd'hui, je suis en forme. Vous voyez, je sors la piquette et regardez ce que je vous sors. Et c'est marqué quoi dessus? Ben, je vous laisse lire, je vous rapproche la carte. Voilà. D'accord? On se comprend. Bon, allez, je vais passer au tirage suivant qui, j'espère, va vous changer un peu les idées. Et puis, je vous referai des vidéos, je vous referai un live et on fera des tirages ensemble sur les questions d'actualité. On tient bon, on ne se laisse pas mettre sous pression psychologique. À tout de suite pour le choix avec les 3 bougies. Bon, on va changer un peu le jeu, enfin, je veux dire, on va passer à autre chose. Je vais vous faire votre tirage que vous aimez bien. Alors, j'ai pris 3 bougies. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu ce qui peut vous attendre dans les prochains jours. Alors, j'ai pas d'idée du temps. Hein. Une semaine, demain, 10 jours. Je peux pas vous dire. On va dire le court terme. D'accord? Donc, une bougie orange, une bougie rose pâle. C'est un peu compliqué à voir, mais enfin, les roses pâles. Et une bougie bleu clair. Voilà. Donc, je prépare le tirage et je reviens tout de suite. Voilà, entre-temps, j'ai été allumer une petite lampe de façon à ce que l'éclairage soit meilleur. Alors, les personnes qui ont choisi la bougie orange. Donc, je découvre les cartes en même temps que vous. Hein. Bon, il y a des histoires de rupture ou de séparation ou de conflit. Plutôt dans la famille. Hein, puisque j'ai hérédité. Mais en même temps, apparemment, c'est une libération. Bon, donc, c'est pas si mal. C'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Voilà, donc il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Alors, si ça se trouve, c'est quelque chose qui... Comment dire? Ça peut être une relation de longue durée. Voilà, quelque chose qui est inscrit dans le temps. Et qui fait que... Eh bien... Il y a séparation. Excusez-moi, j'entends le chat qui braille, ça me perturbe. Je vais aller lui ouvrir la porte. En tout cas, bon, séparation, conflit, rupture, mais en même temps, libération. Alors, le deuxième tas, ceux qui ont choisi la bougie rose. Alors, il y a un renouveau, une culpabilité, un mimétisme. Ah. Alors là, c'est un peu plus compliqué, je dois dire.
Bon, apparemment, il y a des gens... Enfin, si vous avez choisi Stella, on va vous accuser de quelque chose. Pourtant, ce sera un problème de courte durée, je dirais. Alors, j'ai été vérifier un petit peu la signification de la carte pour essayer de comprendre ce qu'il est en train de me dire. Là, en fait, c'est quelqu'un qui essaie de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Bon, moi, j'ai... Oh, mais arrête, Toffie! Excusez-moi. Bon, alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, effectivement, qui risque de vous faire porter le chapeau pour quelque chose. Et donc, une personne fausse, tout simplement. Une personne fausse. Alors là, j'ai la carte de Pâques ou du renouveau. Donc, j'ai envie de dire que c'est un problème qui pourrait trouver son dénouement à Pâques. Alors, c'est pas si loin que ça, Pâques, hein, c'est pas dans 3 mois. Voilà, donc on risque de faire porter le chapeau pour quelque chose. Bon, par une personne qui n'est pas ce qu'elle semble être, d'accord? Je crois que c'est ça, en fait. Alors, le troisième, ceux qui ont choisi, celles qui ont choisi la bougie bleu clair. Bon, bah alors là, j'ai le temps. Oh, j'ai encore des questions de séparation, mais ça fait la deuxième fois. Et la survie. Bah, c'est marrant, ça. Faut que je regarde au niveau astrologie s'il n'y a pas des aspects de séparation en ce moment. Mais là, j'ai des histoires de séparation. Voilà. Avec des histoires de survie. Je vais quand même aller vérifier la signification de la carte. Alors, c'est une carte vraiment intéressante. Hein. Voilà. En fait, le corbeau est coincé dans un buisson. Voilà. Il est coincé dans un buisson. Et le renard attend que la proie sorte de la cachette. Bon. Donc là, le jeu me dit que ça veut dire qu'en fait, vous êtes limité. Vous ne pouvez pas vous envoler. Donc, c'est une carte qui attire votre attention sur les sentiments par rapport à une situation. Vous barricadez-vous en attendant que la menace soit passée. Vous restez-vous actif pour tenter de trouver une issue. Donc, c'est un petit peu une situation difficile. Et éventuellement, c'est là une situation dans laquelle vous êtes coincé. Et là, le jeu me dit que finalement, ce qui serait bien pour vous en sortir, c'est de vous séparer. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à une séparation par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Mais apparemment, c'est quelque chose qui dure là aussi depuis longtemps. Alors franchement, c'est étonnant. Ça fait 2 cartes de séparation qui sortent. Hein. Donc, il y a vraiment des choses à régler dans les prochains jours. Ben, pour vous, quoi. Voilà. Si vous avez choisi le tas 1 ou le tas 2, il y a des questions de séparation. Mais dans les deux cas, c'est une bonne chose. Là, on se libère. Et là, ça permet de reprendre son envol, tout simplement. Voilà. Bon, bah alors, vous me tiendrez au courant, j'espère. Hein. En tout cas, si ça vous plaît, je ferai des tirages régulièrement. Donc, peut-être tous les 10 jours, quelque chose comme ça. Donc, notez-les aussi de votre côté. Hein, de façon à ce que vous puissiez suivre le cours des événements. Mettons qu'il y a un tirage qui se réalise après un autre. Parce qu'au niveau du temps, voilà, ça chevauche un petit peu. Ben, ça vous permettra de voir où vous en êtes. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une autre vidéo.